C'est Jaws. Viens, toi. Hein? Oui. Oh, oui, oh, oui, c'est à toi que je parle. Oh, oui, c'est toi. Oh boy. Ah, ils ont 300 points de vie. C'est pas n'importe quoi, là. Pas des trous de cul, ça. Ouais, mais c'est pas pire. Juste en tenant là, ça permet de... Oh, c'est beau, ça. Je pense que dans pas long, on va faire de la pêche. Oh boy. Ça te fait du jus, ça, qu'elle s'envoie, là. Shark fin, ouais. Je pense qu'il y a une potion qui permet de... Je pense que c'était respirer sous l'eau. Non. Oh, une Moon Glow. Super. Moon Glow Seeds. 3 en plus. Ah oui. Ça fait penser que je suis pogné des Jungle Seeds. Hey. Super. Jungle Grass Seed. Water Leaf. Ok, ouais, ouais, c'est un autre ingrédient, ça. Je pense qu'il y a une grosse potion qui demande ça, du water leaf. Ouais. Non, lui, je pense pas qu'il fait ce même dégât. La vitesse qui bouge, je te garantis, ce sera pas un, ben, un gros danger. Ah, il y a du corail en bas. Ah, bon, c'est le corail, je sais pas. Ok, ouais. De toi qui est tombé en plus. Je vais pas me faire pogner par un requin. C'est tellement dangereux ce que je tente de faire là. Je pourrais tellement me noyer. Mais là, il y a une étoile là. Fait qu'on va aller chercher l'étoile. Ouais. Attention. Fallen Star. J'espère juste qu'il n'y aura pas un autre requin qui va nous spawner dessus. Une chance qu'on peut nager. Là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à ce temps, ça vaut la peine de pouvoir... d'aller de... Ah ben oui, on va commencer correct de même. Super. On sait un peu. Ouais, c'est ça. À ce temps, ça vaut la peine d'aller jusqu'à l'océan. Ah, je sais pas, peut-être... Ah, c'est vrai, j'ai pensé à ça. Niaiserie de même. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir genre un genre de place comme Atlantis qu'on peut rentrer dedans, puis... Ah, ça, ça serait autre en avant de quelque chose de donjon sous l'eau. Ah oui. Si jamais il y a du monde de Relogic qui écoute et qui parle français, donc idée du moment où ce serait peut-être de faire un donjon sous la mer qu'il faut se préparer pour aller là. Bon, on va monter. Oh, Demon Eye. Haha. Je t'attaque. Je fais mon jazz. Genre, j'ai pété la gueule dans tout. Ah ah! c'est drôle pareil, parce que le fait d'être slow, normalement, serait un danger. Mais là, présentement, c'est une manière d'être safe. En tout cas, jusqu'à temps qu'il y a un autre requin qui me saute dessus. Dans ce cas-là, je vais juste courir comme un épais ailleurs. Oup. Oup, 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 oup. Oup. Ouais, ça a l'air d'aller vraiment profond. Oh, il y a un coffre! Oh oh! Vive les coffres sous l'eau. Bon, on va se dépêcher de chercher ça, par exemple. C'est vraiment loin. Ok. Des palmes encore. Potion. On en monte. On en monte. En dessous, il y a un épée. Un épée. C'est bon. Puis une étoile plus à droite encore. Je prends tellement des risques. Une chance qu'on peut nager. Bon. Ok. Non, on décrisse. En bon québécois, on décrisse. Non, ben, l'aventure sous-marine est faite. Apparemment, il y a un arbre qu'on peut faire, ça s'appelle un sand cannon. Ça, je l'ai pas encore fait. Faut essayer mon nom. Bon. Prendre une chaîne potion pour moins voir dans le noir. Ouf! Hein? On est pas mal full sur ce stock qu'on peut avoir. Donc, Iron Skin, c'est quoi l'autre? Iron Skin potion? Ah, j'en ai deux. Hein?
4. Ok. On va essayer de ramasser plus de Jungle Grass Seeds. J'en ai 6, je pense. 3. Ah. Enfin, on va plus que ça. On va essayer aussi de battre des Demon Eye, histoire de pouvoir préparer notre item de battre contre l'œil de Cthulhu. De toute façon, c'est vrai, je pense à ça. Si on en tue assez des Demon Eye aussi, l'œil de Cthulhu par soude le prochain soir. Donc, c'est gagnant-gagnant dans le cas. Ça va te donner au moins la soirée pour se préparer. Ouais, disons que notre voyage présentement dans la contrée de la jungle, c'est un petit peu moins réservé qu'avant. Disons qu'avant c'était ah non, on va mourir et tout ça, puis on se fait attaquer. Puis, là, c'est pas mal moins pire. Surtout les zombies font 7 comparé à 13. Les One Eye font quasiment plus rien. Enfin, font 11, mais sur 240. On peut encaisser des bonheurs. Ouais, lens. Non, j'ai plus de place sur moi. Ah, là, je suis pas pris, je suis entouré. Non, c'est pas grave. Moi, je me noie pas. Top de quoi? Je peux pas me voir. Je peux pas soigner, ouais. Je vais en profiter pour regarder ce que je peux dropper. On va dropper du sort. Petite potion. Je switch ça. Histoire de prendre des petites potions et garder les grosses plus tard. Et tabarnak, il y a du stock. Ça me fait chier un peu par exemple que les chausseries donnent rien. Ben, à part du cash. T'as pas vu s'il y a donné au moins quelque chose. Je sais pas. Qu'est-ce qu'une chausserie aurait pu donner des fangs quand même. Faire enfin, une potion de. Ah, oh, ça c'est une bonne idée, hein? Avec des bats. Non, peut-être juste les jungle bats. Je dirais que les bats ordinaires, ça peut un peu de sens que ça drop juste des de l'argent. Ben, ça a du sens qu'un animal, quand on le tue, ça drop de l'argent. Non, mais ça aurait plus de sens que les bats ordinaires drop juste de l'argent, puis les jungle bats, eux autres, peuvent dropper des fangs. Puis les fangs, ça pourrait être une composante pour une potion de vampirisme. Et quand on fesse les ennemis, ça nous ordonne. On va dire 10% du dommage qu'on fait. Ou plutôt, quand on tue un ennemi, ça nous donne 10% de son maximum life. Ouais, ça aurait plus d'allure, ça. Parce que c'est. Oh! 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 Crochet. Où c'est que j'ai ramassé un crochet, moi? Oh! Oh! Je sais pas qu'est-ce qui. Ah, oh, c'est peut-être. Ah, oh, c'est peut-être eux autres qui drop des crochets. Ah, oh, ben. On est réglé, hein? Merci beaucoup. Merci pour le crochet. Mais l'idée reste pareille, que ce serait pas pire de faire une potion de vampirisme. Si vous aimez l'idée, là, dites-moi là dans les commentaires. Je vais essayer de pousser ça sur leur forum. Ben, je vais le pousser pareil. Mais si vous aimez l'idée, là, c'est pas pire d'avoir une potion de vampirisme. Si vous avez des idées aussi, gênez-vous pas. Là. Je fais un marathon, c'est sûr. Mais si vous avez des idées pour une vidéo, là, gênez-vous pas, ok? Mettez-les dans les commentaires. Enfin, de toute façon, j'y lis, j'y réponds pas mal tout le temps, assez rapidement aux commentaires. Et que ce soit positif ou négatif. Si la raison est valide, comme si la raison c'est genre oh, ton vidéo t'a chié, tout ça, c'est ça, ben regarde, ça c'est ton opinion, ça je peux pas vraiment dire grand chose contre ça, puis je vais pas m'assiner avec toi. Mais si c'est genre ah, oh, ça serait pas pire si tu ferais ci ou tu ferais ça, parce que là, ça viendrait un peu répétitif. Ben là, j'avoue que ça fait quasiment peut-être quoi, 10 minutes que je suis en train de fesser des yeux, des yeux volants. Ben j'attends que le jour se lève au moins pour décoller de là. Mais ouais, c'est ça. Si vous avez des suggestions, allez-y fort. Je sais pas si vous avez entendu. Moi, je vais continuer à faire des vidéos entre temps. Fait que peut-être la suggestion, vu que c'est un marathon, la suggestion va peut-être venir dans le. Ok, je suis en train de mourir. Hein. Va peut-être venir dans. Pas dans le prochain vidéo, mais peut-être dans une couple d'après. Là. Dans le tablier. Parce que j'enregistre à peu près 1h30 de stock pour le marathon. Après ça, j'ai converti mes vidéos. Et ouais, c'est ça. C'est ça. C'est peut-être mon idée. Non, mais. Ça, je me donne la peine de. Oh! Un jour, il vient de se lever. Ok. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? What the? Hein? Hein? C'est nouveau, ça? Ça donne-tu des primes, ok? Hein?
Je suis surpris. Mon coup, vous l'auriez pas deviné déjà. Je suis surpris. Ok, on va jeter une palme. Ouais, moyen de chacun se donner un de défense de plus juste pour avoir 14. Donc, pas besoin de deux palmes. Pas besoin de sable. Ouais, on va essayer d'écouter, hein. Ça donne quelque chose de pire, ça. S'il donne des plumes, ça va être pas mal plus facile de pogner ça que de pogner des harpies pour des plumes. J'imagine que oui. C'était peut-être parce que c'était la nuit quand je suis arrivé dans la mer. En tout cas, on verra bien. Oh, plante. Tu veux me manger la face? Mais non, tu pourras pas. Parce que moi je t'attaque à distance, fait que je te laisse pas t'approcher de ma face. Toi, ta face, par contre, autour de la magané pas mal avec mon boomerang magique. Ah. Bon. Hey, bonjour les piranhas. Ça va bien? Ouais. Ouais, ok. Ah. Oh. Hein? Ok, il se pose à terre, puis il bouge pas, puis il attend. Hein? C'est fait avoir, hein? Hey, l'avantage d'une slim, par exemple, c'est que vu que ça jump sur l'eau de même, ça doit tellement être facile de traverser l'Atlantique avec ça. Imaginez l'habilité de pouvoir se transformer en monstre. Ça serait une autre bonne idée, ça. Faire des potions ou un spell pour se transformer en monstre. Le prochain monstre que tu tues, c'est dans lui que tu te transformes pendant, je sais pas, 5 minutes. De se transformer en slime ou en poisson pour se ramasser sous l'eau. Ah, que les bonnes idées sortent. Ouais, ouais, peut-être une potion de polymorphe. Ouais. Ok, là on a pas mal de stock. Là, la seule affaire qu'il va falloir faire. Je vais voir si au moins ces affaires-là peuvent me donner de quoi. Là, je sais que je vais être bon pour faire mon grappling hook qui est excellent. Ça, c'est une chose que je voulais absolument avoir. Quand on retourne sous terre, les grappling hooks, ça va être une manière de naviguer sans trop de problèmes. Surtout avec la potion de chaîne. La chaîne de potion va vous permettre de faire la lumière. Ça va tellement être facile de naviguer rapidement à travers les cavernes. Ouais, je suis en train de faire un peu de temps par des slimes et par des bats. Hein? Ow, ow, ow. Bon, toi tu viens de mourir pour ça. Bon. Ouais, fait qu'on est vraiment bien parti. Sérieusement là, la vidéo est rendue. Ben, le marathon est rendu pas mal plus loin que je pensais qu'on allait se rendre. Puis, j'ai découvert des affaires que je pensais pas découvrir. Ben, j'avais pas tout lu, tu sais. J'ai pas été me briser le fun en checkant toutes les affaires que c'est Wiki, les affaires en même. J'ai qu'une couple d'affaires pour les recettes, voir comment ça marchait, puis comment aller faire une bouteille d'eau. Niaiserie. Et, j'avais pas vu un coup d'affaires autrement, tu sais. Je vais pas ruiner la surprise. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir ramener ceux-là, à part du cash. Ah, il y a un party de slimes, ça paraît. Les juggle slimes qui sont en train de suivre le rythme musique. Les vrais. Les slimes indigènes. Puis je veux bien rappeler que dire que c'est des indigènes, c'est pas raciste. C'est juste dire, un indigène, normalement, c'est n'importe qui d'un autre pays qui est non civilisé, qui bon, c'est ça, en fin de compte. Fait que ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Si une personne considère pas civilisé, pour eux autres, vous êtes un indigène. Fait que les slimes, eux autres, je les considère non civilisés, pas très intelligents, parce qu'ils savent juste une affaire, vouloir bouffer votre face avec leur corps gélatineux. Ah, je suis parti, moi. Ben, leur corps gélatineux, ils viennent se fesser dans l'autre et essayer de vous tuer. Bon, il faut des jungle seeds. C'est pour ça, la seule raison pourquoi j'ai pas pris le miroir encore pour partir, c'est que j'essaie de ramasser des jungle seeds en m'en allant. Parce qu'après ça, on va arrêter la vidéo. Ben, en tout cas, moi, je vais l'arrêter de mon côté. Vous autres, on va retourner à la maison, on va arrêter la vidéo. Puis, dans le cas, vous autres, ça va continuer tout de suite si vous continuez à écouter la vidéo. Mais moi je vais aller convertir mes vidéos en format MP4 histoire que de récupérer un peu d'espace disque.
Puis après ça, je vais continuer. Fait que je ferai pas, je vais faire le montage aussi pour commencer à transférer vers YouTube. Donc, vous allez avoir de quoi écouter pendant que moi je continue l'expérience, le marathon. Ouais, j'avoue qu'on est vraiment bien parti. Comme je vous dis, je vais mettre comme limite qu'on passe Skeletron, qu'on fasse une run du donjon pour ramasser le stock, qu'on en ressorte. Rendu là, je pense qu'on va pas mal tout fait, à part peut-être ramasser une Molten Armor, mais là, ça c'est juste. Molten Armor, sérieusement, c'est juste du grain. C'est ramasser en enfer, puis juste fesser sur la fin. On pourrait peut-être y aller, on va peut-être descendre jusque-là, mais j'irai pas récupérer ce qu'il faut pour faire une Molten Armor. Une fois qu'on aura battu Skeletron, puis qu'on aura descendu en enfer, juste pour le fun de descendre, ça va être en masse. Donc, on retourne à la maison. Tout est correct. On va peut-être faire une autre petite cabane, vu que on a déjà un autre personnage qui est rentré. Ok, correct. Bon, on va lui demander qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces affaires-là. Tout est pogné ça depuis tantôt, hein. On t'aime, le guide. À cette heure, on t'aime. Bon, rentre chez vous, et reste en dedans. Maudit cave. Ok. Gills Potion, ça, il faut des Water Leaf et du corail. Ok. Donc, ça, c'est pour respirer sous l'eau. Water Walking, ouais. Ça peut être pratique. Under Potion aussi. Je n'ai pas nécessairement besoin. Ça, c'est pour faire du dye, ouais. Ça, j'ai juste. Oh, j'ai plusieurs recettes avec ça. Obsidian Skin Potion. Oh, ok, ouais. Immunité à la lave. Donc, ça risque d'être pratique si jamais on se ramasse en enfer. Hop, parce que si on se fait facile de côté, puis oups, on tombe dans la lave, c'est fini. fini. Bon, goldfish. Ouais, c'est ça. J'ai 3 goldfish. Je peux faire un fish ball, puis je peux le porter. C'est ce que je vais faire. Je vais en faire un. Ça va être drôle. Ok. As-tu d'autres? Moon Glow. Ouais. Régénération de mana. Spelunker, ça c'est ça que je veux faire. Des fetters. Featherfall. Gravitation, j'ai pas ce qu'il faut pour faire une gravitation potion. De toute façon, je préfère faire une featherfall pour tout de suite. Bon, on a en masse de stock, je pense. Ouais. Eh non, il va vraiment manquer des Dayblooms, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Hook. Ouais, ça, on peut juste faire le. Ah, ben j'en ai deux. Ah, c'est ça. D'après moi, les chauves-souris drop des hooks. Bonne chose. Ouais, sticky glow stick, sticky bomb. Ok, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a. Ouais. Ok, bon, on va aller voir ce qu'on a pas besoin. Se faire de la place. Je vais dropper stock là-dedans. Moonglow Seeds. Fait que dans la prochaine petite suite de vidéo, première chose qu'on va faire, on va essayer de se faire un petit jardin pour pouvoir me faire pousser du Moonglow, faire pousser je sais pas quoi d'autre là aussi. Ouais, peut-être un peu de grass pour ramasser des jungle grass seeds. Puis on va aller créer l'item pour pouvoir summoner Live Cthulhu, à moins qu'il vienne à nous autres. Ce serait bien le fun, ça. Et autrement, c'est pas mal tout ce qu'on va avoir pour le prochain. Après qu'on ait battu Live Cthulhu, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. Chacune. Bon. Là, on va se faire un Water Ball. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un water bowl? Tu peux-tu me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Workbench. Une bouteille, puis ça, manger tout. Là, je peux pas faire de. Au moins, je l'ai manqué. Ou si je suis en bas. Ah, fiche bon. Ok. Oh, j'ai aussi ça, ouais, c'est vrai. Tout ce matériel-là. Gold bomb. Oh. Fishball. Non, ça. Oh, sérieusement là, ça c'est juste trop drôle. Le fait qu'on bouge puis que les poissons tombent. Ah oui, ça je me garde ça par exemple. Tant que j'ai pas mon
mon kit complet de Heroes, de héros, là. Je me garde ça. Ah oui, j'ai l'air d'un astronaute, là, sérieusement. Puis apparemment, si on m'équipe ça demain, ouais. Vous voyez, là, je suis en train de me noyer, là. Dans ça, là. On le mettra pas. Je suis en train de Ok, bon. La stupidité. On vient de retomber au bon niveau de stupidité, c'est bon, ça. Yes, sir. Excusez-moi, je trouve vraiment ça drôle. Ok. On va dropper ça dans le coffre en or ici, l'équipement. C'est d'autres choses qu'on peut faire. Alors, les chaînes que j'ai mis ici, on se fait notre grappling hook tout de suite. Il est en bas, je pense. On va faire un chandelier aussi. Mais ça sera plus tard. Grappling hook. Là, ça va peut-être entendre un Alléluia que je vous emmène là. Je sais pas, on va voir. c'est comme l'outil le plus utile. Ah oui, là je suis content. Avec ça, on peut oublier le clown de la bataille. Surtout, j'ai quand même high jump, fait que ça va bien. Ok, on va vendre du stock. On va shop. Ok, ça, je n'ai plus besoin. On peut le vendre pour 2 silver. On va s'acheter un paquet de grenades. On a le cash pour. Ouais, c'est une vingtaine maximum. Hein? On va faire 2 stacks de 20. Même 3 stacks de 20. Je vais en mettre dans les coffres. Puis on va s'acheter de la dynamite. 3 bâtons de dynamite. Ça va servir plus tard. Et voilà. Wooden Arrows. Vendre des flèches en bois, ça comme ça. Fetters, ça je les vendrai pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? It's smiling, it might be a good snack. Ah, c'est sûr que quelque chose qui sourit peut être un bon snack. On va te vendre, on va faire sourire quelqu'un d'autre. Ok. Je trouve juste ça vraiment crampant d'avoir le fishbowl sur la tête. Si vous aimez le fishbowl, donnez-moi un like pour ça. Ça a juste pas de bon sens. Ok. Ça, je vais garder un stack sur moi. Je vais garder la dynamite là-dedans. Parce qu'on va s'en servir pour aller miner du démonette. Ben, pas de miner du démonette, mais aller lancer la. Une horde dans les chasmes. Ça, 8 étoiles, on parlera de pour augmenter. Matériaux pour ça. Plume. Ici, j'avais mes gels. Et toutes les potions ici. Potion là, ça, je vais le dropper là-dedans. On va maxer ça. Et c'est bon comme ça. Donc, on arrête la vidéo ici pour tout de suite. Vous allez voir la prochaine série. Moi, je vais préparer mes autres vidéos. Et on va continuer sur notre élan. Donc, je vous en remercie de regarder. La prochaine vidéo devrait être en ligne dans pas très long, j'imagine, une couple d'heures. Et si vous aimez le marathon à date, donnez-moi un like. Si vous aimez pas ça, vous me donnez un coup de pouce dans l'autre sens. Si vous aimez le contenu en général du canal, abonnez-vous. J'en sors du stock assez souvent. Assez varié aussi. Plusieurs jeux, plusieurs types de vidéos. Et je vous dis à tout de suite.